Good morgen, allez, Idan les Yisro aujourd'hui, les Elohim Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal et Claude Israël Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines études, Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous tenons à Sarah Chkalim, Perikvav, Mishnah Aleph. Shlosha Asar Shofarot. Shlosha Asar Shulchanot. Shlosha Asar Ishtachavayot Hayuba Migdash. Shalbet Rabban Gamliel, Veshel Rabbi Chanania Ben Zgan, Chanania Zgan Akonim, Hayum Ishtachavim 14. והיכן הייתה יתרה כנגד דיר העצים, שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז. On commence un nouveau sujet maintenant. Je crois qu'on va quitter complètement même la gestion du Beth Mignash. Là, on va revenir un petit peu plus tard, il y aura quelques petites halakhot encore. Mais maintenant, on va parler plus général encore. C'est une Mishnah qui est très proche de Masechet Tamid et Midot, si vous vous souvenez. Avec à présent, on va voir Shlosha Asar Shofarot. Il y avait au Beth Mignash 13 comment dire, 13 chauffards, 13 urnes où on pouvait de mettre de l'argent. Ça s'appelle des chauffards, parce qu'un chauffard, il est étroit à un bout et large à l'autre côté. Idem pour l'urne, elle était en forme de cône, de manière à ce qu'on peut mettre l'argent sans le récupérer. Et donc il y avait comme ça 13 chauffarotes. On va apprendre pour chaque cause qu'il y avait, selon ce qu'on voulait faire comme don, est-ce qu'on voulait juste payer sa cotisation annuelle, faire un don spécial, apporter un corban spécial. Il y en avait 13, ils seront détaillés plus tard, d'accord? Il y a ensuite Shlosha Asar Shulchanot. Au total, si on fait le décompte de toutes les tables qu'on a rencontrées dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, alors on va réussir à dénombrer 13 tables. Shlosha Asar Ishtachavayot. Il y avait encore 13 fois, on se prosternait au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y avait une halakha où, lorsque on marchait autour, ce sera précisé bien sûr plus tard. Mais lorsqu'on marchait autour du Beth Amikdash ou qu'on arrivait à certains endroits, il fallait se prosterner. D'accord? Et Ayub Amikdash, tout ça, ça se trouvait au Beth Amikdash. Maintenant, par rapport, et on va préciser bien sûr tous les endroits exacts. Chaque chose, elle va être précisée dans le détail. On va même commencer d'ailleurs par les Shulchanot et Ishtachavayot, le fait de se prosterner et les 13 tables. Et puis après, on reprendra les Shofarot, où ce sera un sujet assez riche cette fois-ci, assez compliqué à suivre. Il y a plein de halakhot, qu'est-ce qu'on va faire si on va trouver de l'argent qui était plus proche d'une urne que d'une autre. Maintenant, la Mishnah commence à me raconter d'abord. Sache que pour les 13 fois où on se prosternait, Shelbet Rabban Gamliel, les membres de la famille de Rabban Gamliel, et Shelbet Rabbi Hanania Sgan Akonim, Rabbi Hanania le Sgan Akonim, le second Akonim, Ayum Shtachavim Arba Isre. Eux, ils se prosternaient 14 fois. Parce que il y avait une fois en plus parce qu'ils se prosternaient. Ve'echan, Aïta, Yetera. À quel endroit ils se prosternaient la 14e fois? Nous, on avait les 13 fois. On sait c'est quoi les 13 fois? C'était 13 brèches que les Grecs ont fait, qu'ensuite, les Hashmonaïm, ensuite, quand ils ont restauré le Beth Amikdash, ils les ont fermées. Ça, c'est pour les 13. Mais la 14e, c'est qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Keneged dir a etzim. On le faisait face à l'endroit où on stockait les bois. Il y avait là-bas une pièce toute simple. Où est-ce que là-bas on stockait tous les bois pour le Beth Amikdash? Et eux, Sheken Masot Beyadam Avotem, Shesham Aaron Ignaz, eux avaient une transmission que là-bas, spécialement, à cet endroit-là, se trouvait le Aaron Akodesh, l'arche des tables de l'arche du Beth Amikdash. Il y avait les Luchot Abrit, les 10 commandements, les tables, elles ont été enterrées là-bas. C'est-à-dire, il y a une histoire que lorsque, à la fin du Beit Rishon, du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, lorsque nos ancêtres constataient que bientôt le Beth Amikdash allait être détruit, il y avait le roi Yoshiyahu, qui est un roi tzaddik, il a pris le Aaron et il a dit pas question que ce Aaron il va se retrouver dans les mains des Goïm. On préfère le prendre et à l'endroit du Beth Amikdash, quelque part, il a creusé et il l'a enterré là-bas. D'accord? Maintenant, il y a eux, Rabbi Hanania et Rabban Gamliel, dans leur famille, ils avaient une transmission qui savait que ça se trouvait à l'endroit où il y avait le Dir Haetzim. Donc du coup, chaque fois qu'ils approchaient le Dir Haetzim, cette salle où on stockait les bois, ils se prosternaient là-bas face au Aaron qui se trouvait là-bas. Ça se prosternait à Hachem, mais à l'endroit où il y avait le Aaron, d'accord? Et on découvrira sur ça dans la prochaine Mishnah, une histoire assez sympathique
assez original face à cet endroit spécialement, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov V'Salah.